un roman du patrimoine algérien. Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Hizia est une histoire d'amour du patrimoine algérien entre une jeune fille bédouine d'une famille fortunée et son cousin Saïd. Dans son roman intitulé Hizia, Missa Bey donne un petit aperçu sur la vie de Hizia, cette antilope du désert. Cette histoire n'est pas une fiction. Hizia, née dans l'oasis de Sidi Khaled, près de Biskra, en 1855 selon les calculs des historiens, est morte à 23 ans. Et c'est une bédouine, issue d'une tribu nomade, elle n'a jamais connu la contrainte des espaces clos. On dit qu'elle fut convoitée et disputée par de nombreux prétendants. On dit qu'elle fut emportée par un mâle mystérieux le lendemain même de ses noces. On dit qu'elle mourut dans les bras de son aimé. D'aucuns disent qu'elle ne fut jamais à lui. Elle a vécu si peu de temps, assez cependant pour connaître l'amour, aimer et être aimé. Cela suffit pour remplir à déborder une vie. Mais bref, je veux le croire. Dans ce livre collectif de l'Azhar et l'Abtar, intitulé Hizia, mon amour, l'écrivain de la wilaya de la Gouate fait la collecte des textes qui parlent de ce mythe. On trouve des extraits de livres de plusieurs auteurs, hommes et femmes, ayant traité et raconté l'histoire de ce mythe selon des diverses versions.